Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Et on est ravis de vous retrouver avec Elo qui a très chaud pour le mois de novembre. Bonjour Elodie. Salut. Et puis donc Elena que vous avez reconnue. Alors les filles, ça c'est une private joke, comme dirait Claire. Alors, Elena, de quoi vas-tu nous parler? Non, moi je vais vous parler de la course à pied justement. Oui, parce qu'il n'est pas trop tard. Non, non, on peut encore courir. Après, qui on veut. Voilà, exactement. Voilà. Et Hello, toi? Oui, moi. Alors, rappelle-nous ta chronique déjà. Le DIY, donc le do it yourself, donc fais-le toi-même. Et je vais vous... Et fais pas chier. Pardon. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un kimono grâce à un vieux foulard. Voilà. Voilà. Je crois qu'on a tué la troisième chroniqueuse. Ah oui, il s'agit de Véro qui vient aujourd'hui nous présenter une recette d'automne, frites de potimarron, les filles. Ça donne envie. Et donc là, elle est en train de hacher je ne sais pas qui, parce que des frites, a priori, on ne les hache pas. Mais on découvrira ça tout à l'heure ensemble, les recettes de l'automne avec Véro, qui est toujours fidèle au poste, fidèle au fourneau. Mais avant de parler de tout ça, on va se retourner vers Elena, qui va nous parler donc de la course à pied. Et ce sera juste après ce... jingle. Dans la course à pied, Steve, tu cours un petit peu? Tous les jours. Bon, déjà, c'est pas bon de courir tous les jours. Mais voilà, c'est pour ça, donc j'arrête, voilà. C'est officiel. Donc, la course à pied, elle peut se pratiquer de différentes façons, donc en loisir ou en compétition. La plupart des gens, ils vont courir à peu près 2 à 3 fois par semaine. Pour... Tu cours, toi? Un peu. D'accord. Combien de temps à peu près tu cours? Environ une heure. Ouais, c'est une bien. Une ou heure. Deux fois par semaine. Ouais, mais c'est très bien. Pour se maintenir en forme, alors il y en a, c'est pour perdre des kilos, d'autres c'est pour se maintenir en forme, pour s'aérer aussi la tête quand on a une semaine un peu difficile. Donc c'est quand même sympa. On a la chance à Tarbes d'avoir le Caminadour. Donc, c'est vrai. Donc ce Caminadour, c'est 10 km entre le lac de Bourg et le lac de Sousse. Donc on peut faire des allers-retours ou voilà, donc course à pied. C'est 10 km aller-retour. Mais ouais, non, mais c'est ça, je ne savais pas que c'était 10 km. Enfin, entre les deux lacs, d'accord, c'est 10 km. Donc une heure de course, voilà, d'un lac à un autre, voilà, c'est très bien. Donc c'est une discipline qui est quand même donnée à tout le monde. Il faut avoir un minimum de conditions physiques quand même. Et de évidemment. Santé. Ouais. Voilà, il faut faire attention à ne pas commencer trop fort la course à pied, parce que ça ne sert vraiment à rien du tout. Le principal, c'est de rester régulier et de courir. Et bien, voilà, à peu près une demi-heure, c'est pas mal, une demi-heure déjà pour commencer. Si vous n'êtes pas mis encore, on est en novembre, s'il est encore temps. Il fait encore beau quand même, donc pour y aller. Voilà, donc je vous parle de ça parce qu'après, on va venir à une autre discipline à la fin. Après plusieurs chroniques, hein, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Suspense. Voilà. ouais, c'est à la mode la course à pied. Il y a plein d'applications. Vous aviez entendu parler. Voilà, gymnastique notamment. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Donc course à pied, bon, ça inclut aussi le vélo et d'autres disciplines. Mais c'est vrai que pour la course à pied, c'est vraiment sympa. Et on peut suivre notre progression. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce que bon, quand on commence, on est toujours, bon, on peine un peu. Ouais. Voilà. Et au fur et à mesure, ben on voit qu'on évolue et ça nous fait plaisir quand même. De voir ça. Donc Steve, maintenant il faut prendre tes jambes à ton cou et aller sur le terrain du Caminado. Mais je vais peut-être attendre le printemps, parce que le Caminado en novembre, je ne sais pas pourquoi, mais je ne ressens pas la motivation. Beaucoup ou alors j'irai à condition d'être vêtue d'un kimono. D'un beau kimono avec le foulard de mamie. Alors on y va, après, c'est la rubrique d'Elo, juste après ce jingle. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau DIY. Donc c'est créer un kimono à partir d'un foulard. Et donc j'ai choisi un foulard aux couleurs de l'automne pour rester dans le thème. Et ça, c'est énorme. Non, mais il y a une cohérence dans cette équipe. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Donc pour ce DIY, vous aurez besoin donc d'un grand foulard ou d'un grand tissu. Donc assez grand, genre comme ça. Et minimum large comme ça, ouais. Comme ça, large. Donc 1 mètre sur 1m30 à peu près. Ouais, voilà, à peu près. Du fil de la couleur que vous voulez, une aiguille, une paire de ciseaux bien sûr, un crayon et un mètre de couture ou une règle, enfin quelque chose qui vous permettra de mesurer. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc voilà,
Donc en fait, on commence d'abord par plier le foulard sur la largeur. Donc on va dire que ça c'est le foulard. Donc vous le pliez sur la largeur. Sur la moitié ? Ouais, sur la moitié de la largeur. S'il est rectangle et s'il est carré, ben, sur la moitié quoi. Face contre face, donc il faut que vous ayez l'envers du tissu vers vous pour éviter de crayonner sur la face que vous allez porter. Parce que... Voilà. Donc il faut dessiner deux rectangles, donc sur les bords, on va dire que c'est ça. Vous dessinez deux rectangles vers le bas et après vous les découpez. Donc les rectangles à peu près, moi j'ai fait 30 sur 35 cm. Je pense que c'est la bonne longueur. Après ça dépend de la taille de votre tissu. Si votre tissu est assez petit, vaut mieux faire des petits rectangles. C'est proportionnel, ouais. Oui, vos tailles de rectangles sont proportionnelles à la taille du tissu que vous avez au départ. C'est ça. Donc on découpe et après il faut coudre du coup ce qu'on a découpé. Et enfin, donc quand les bords sont cousus, il faut que vous trouviez le milieu de votre tissu et que vous le découpez. Attention, on ne découpe que la partie qui est au-dessus parce que sinon vous allez avoir un trou dans le dos et du coup ça sera plus trop un kimono quoi. Donc vous découpez le devant du tissu et le mieux après c'est de faire des petits ourlets et après les coudre pour que ça fasse un peu plus propre. Ouais, voilà, fini. Et après donc je vais vous montrer comment ça rend au final. Donc en fait, votre tissu quand vous l'avez plié, il aura fait ça et donc vous aurez cousu ce petit bout là. Et le morceau que vous avez découpé, c'est ça. Si ça rend pas ça au final, c'est que vous vous êtes trompé dans les coutures. C'est qu'il y a un problème. Mais de toute façon, pour que ce soit plus clair, on vous mettra la fiche technique sur la page Facebook parce que là, vous voyez le résultat fini. Tu peux le porter pour qu'on se rende compte. Voilà, mais pour que les différentes étapes soient plus claires pour vous, parce que personnellement, avec Elena, on n'a rien compris. Donc, sur la page Facebook, ça sera peut-être plus clair pour nous. Hein, on va voir. Attends, voilà. Je regarde jusqu'à la fin du coup. Si on a compris, la prochaine émission. On vient avec notre kimono. Bonne idée. Et voilà. Ouais, c'est sympa en fait. Oui, c'est très sympa. Ouais, carrément. Carrément. Voilà, bon écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai faim. Toi t'as bouffé toutes les bananes, ça m'étonnerait. Mais moi j'ai faim, je vous propose qu'on aille voir Véro. C'est parti. Allez, jingle Véro. Et bonjour. Et bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Alors, Elena, Elodie, hein, je crois que vous connaissez un petit peu. Enchanté. Alors, ça sent l'automne, j'ai envie de dire. Allez, ça sent l'automne. Pardon. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Enfin, qu'est-ce que l'on va pouvoir préparer aujourd'hui avec toi, Véro? Alors, bon, voilà, ça sent l'automne, donc on va... les champignons, non, j'ai pas osé, mais il fallait aller les chercher, pas trop de temps. Donc, je suis partie sur le potimarro. Voilà, beaucoup plus simple. Voilà, donc un petit potimarron, ça se cueille, on n'est pas obligé de l'éplucher. Alors vous prenez une petite brosse comme ça, frottez la peau sous l'eau du robinet. D'accord. Et à la cuisson, voilà, ça devient très tendre. Donc on gagne du temps et voilà. Donc notre petit potimarron, moi je l'ai coupé en deux. Voilà, et on va faire des frites de potimarron aujourd'hui. Que vous pouvez ça peut accompagner un petit rôti, ça peut accompagner une céréale, par exemple un petit riz basmati, etc. D'accord. Voilà, c'est un petit légume rôti. Qu'on rôtit, moi je préfère au four, on fait au four. Ou si vous n'avez pas de four, vous faites les petites frites à la poêle. Voilà, d'accord. Avec de l'huile d'olive. Donc, je le coupe. Je le coupe en deux. Quand ils sont jaunes comme ça, ils sont très tendres, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je fais des petites frites de potimarron. Alors là, je ne vais pas me couper les doigts. Voilà. Donc, on va les faire plus petites. Alors, on va prendre une huile d'olive. Première pression à froid. C'est pour toi, première pression à froid. Voilà. C'est tout simple, vous allez voir. Vous remuez comme ça. Là, on prend un peu de sel gris. On remue. Et voilà. Là, je fais la petite poêle. Et c'est très bien au four. Au four, ça prend 25 minutes à peu près. D'accord. À la poêle, ça va plus vite ou ça peut... À peu près pas très vite. D'accord. Bon. Par contre, une petite astuce, on ne jette rien. On peut récupérer éventuellement des petites graines. Alors, vous les défaites une à une. Voilà.
vous les rincez, vous les séchez dans un sopalin ou un chiffon propre et vous les laissez reposer toute une nuit. Donc, et le lendemain, vous pouvez faire des petites graines que vous enrobez d'huile d'olive, un peu de paprika ou d'autres épices et vous les repassez en poêle et ça peut vous remplacer des petites cacahuètes à l'apéritif. À savoir que les graines de courge ou de potimarron comme ça sont très bénéfiques pour la santé. Vous avez beaucoup de vitamines. C'est très bon pour les reins. C'est très bon pour les problèmes de prostate. C'est un vermicide pour les enfants. Pour non, et surtout, c'est très bon de goût aussi. Goût. Mais les graines de courge, c'est super bon. Alors moi j'en ai potimarron, j'ai jamais goûté, mais. Alors des fois, vous les trouvez vertes, toutes simples dans les magasins bio. Oui. Et après, là, ils seront un petit peu plus clairs. Voilà. D'accord. Après, moi, je parsème toutes mes tartes, par exemple, tous mes gratins avec les petites graines. Et quand elles sont bien sèches, on peut faire une poudre avec ces graines-là. Et vous pouvez parsemer sur vos salades ou même une chapelure à base de graines. Voilà, si on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, on va faire la cuisson. Une petite pause de 2 minutes pour... finir. Voilà. Donc voilà, la cuisson est pratiquement terminée. Alors moi j'aime bien utiliser certaines épices du style un petit peu de cumin. Voilà. Bon, on ne vous cache pas qu'ici c'est un peu la magie de la télé, chez vous ça vous prend donc 25 minutes, hein, comme l'indiquait Véro en début de recette. Ce qui est intéressant aussi c'est que, c'est toujours le cas avec ce que nous propose Véro, mais visuellement, c'est intéressant parce que les couleurs sont aussi sympas. Ça relève un plat à tous les niveaux, hein. Sur la présentation, sur beaucoup de choses. Moi j'aime beaucoup le marier côté végétal, on va dire un petit peu végétarien. Donc je vous dis avec un riz, éventuellement une céréale demi complète et on rajoute par exemple de l'anti corail ou même un haricot blanc, des haricots tardés là, on va pas tarder à voir. Donc le potimarron, la céréale et le haricot fait déjà un plat bien équilibré et il n'est pas obligé de rajouter de viande. D'accord. Et c'est quelque chose que vous pouvez cuire la veille ou l'avant-veille. Vous le mettez dans votre frigidaire et vous le repassez en poêle ou au four et ça se rôtit un petit peu. Et, Donc là, il faut être habile du couteau, mais quelques donc petits éclats de noisettes. Voilà. Je suis gentille. C'est bien, on est vraiment dans les produits de saison, d'automne, hein, puisque vous le voyez, ouvrez la fenêtre, regardez, et oui, c'est l'automne. Écoutez, c'est tout simple. Hein. Vous pouvez manger. Bon, moi j'ai envie de dire, je me lance. Allez, c'est parti. C'est pris. Les filles, ça va être bon aussi. Hein. Bon, moi je valide personnellement. Vous aimez ? Ouais. Je vous laisse les filles et je m'en viens vous retrouver public adoré pour vous annoncer que Véro se baladera avec ses petits ateliers de pomme cuisine à la Biocoop d'Odos ou de la Garonnière. C'est à voir, vous avez toutes les coordonnées, les dates et les horaires sur son site. Et samedi dans 15 jours, le samedi 21 novembre, à l'ordre du jour, ce sera potimarron et légumineuses. Voilà, vous m'en direz des nouvelles, vous me direz surtout ce que c'est. Alors, pour ces ateliers, je vous donne les coordonnées. Vous pouvez aller sur le site www.pommecuisine.fr ou bien contacter Véro directement au 06 72 37 42 66. Comme je parle trop vite, ça s'affiche en bas de votre écran. Je vous laisse les amis, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles chroniqueuses et donc de nouvelles chroniques. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.
les mains. Merci. Allez, go. Moi, je coule du nez, les gars. C'est bon ? Allez. Les bonbons d'un fer qui t'initie. Non ! Et mets-toi la banane. Non, mais non. Hey ! Voilà. Et ensuite, vous pouvez... It's the night. They see the rhythm of the night. Oh yeah. Oh. Et la lumière fuit.